on 80. Delta Alpha Leo 11, I'm calling KQI. I just said, oh, what's this?
bellissimo, lo odio muy fuerte Brasil. Porca, un PX, ok? Ho 148 di piedi, accoplato in una mesa di son e un microfono di studio. Un'antenna va essendo una planotiera, la potenza whisky, 280 whisky, ok? Well,
railroad fan. Would you like to hear it? Over, over. Thank you.
heat is out of you, no doubt about it. I ain't too good to you, I'm heating the stove up. I'll switch back to my other microphone. Alors là, ça correspond au canal 38 en Lima, Sierra Bravo. C'est la fréquence d'appel DX aux USA. Voilà le canal des routiers. Tout à l'heure, ça passait, mais bon. Là, c'est le canal cours de récréation. Les USA ont le canal 6 normal, les Italiens ont le canal 5 en supérieur. Ah, il y a des concours de puissance qui se font ici aussi, hein, parfois. Mais bon, là aujourd'hui, c'est la propague hein, qui fait... Tout au long de la vidéo, j'ai pas pris le micro. Pourquoi ? Ben parce que je parle pas anglais du tout. Alors plutôt que de lancer un appel et puis de pas comprendre les réponses,
je préfère m'abstenir. Et écoutez. Alors, j'ai un copain tout à l'heure en message perso là, sur les réseaux sociaux qui m'a signalé la présence des routiers américains là ici. Donc c'était juste avant que je démarre la vidéo. Donc ici, il fait la différence entre ceux qui ont beaucoup de puissance et la propagation. J'ai envie de dire que c'est impossible. Alors je dis que c'est impossible parce que la propague est un amplificateur naturel. Ouais, voilà, je me mets là comme s'il n'y a personne, du moins j'espère. La propague est un amplificateur naturel. Donc même avec 1 watt, vous pouvez faire des contacts de très longue distance. Il suffit d'être au bon emplacement, au bon moment, sur la bonne fréquence. Donc là, pour cette vidéo, là, on va à la pêche, même si je prends pas le micro. Parce que bon, déjà, quand on arrive, quand on démarre sur la CB, ben, la meilleure école, hein, c'est commencer par l'écoute. Hein. Je dis que la meilleure école, c'est l'écoute, mais pour tout type d'utilisation. Hein. Généralement, on dit ça quand on fait du DX, mais c'est tout aussi valable pour les QSO locaux. Hein. Alors, ouais, là, je suis en USB. Alors, généralement, les stations disent qu'il n'y a que l'USB qui est utilisé. Pas forcément. Il n'y a aucune règle. Tiens, voilà. Il n'y a aucune règle qui oblige d'utiliser uniquement l'USB. C'est faut aller à la pêche, tout simplement. Alors, les modes AM/FM, on va surtout les privilégier là du côté des 40 canaux. Des 40 canaux homologués. Quoi. Pour ne pas perturber les contacts très longue distance qui sont en USB et LSB. Enfin bon, bref, 3. Si on regarde sur le listing, ben 3, ça correspond au Brésil. Les USA, c'est 2. Là, j'ai une bonne chance d'attraper les Américains. Alors, Américains et Canada aussi. Hein. C'est
c'est pas que USA, c'est USA Canada. Hein. Plus toutes les autres stations qui viennent également dessus, bien entendu. Je reviens sur le canal 6. Bon, il y a plusieurs sites, pas mal de vidéos et tout hein, dessus hein, qui en parlent. Alors, ceux qui font les concours de puissance, là c'est le moment. Fréquence des kilomètres. CQO, CQO, CQDX. Appel de 14 kilomètres. 3301, opérateur Rémi, qui lance appel depuis le sud-ouest de France. Ouais, à mon avis, ils sont tous pris ailleurs sur le DX. Et ils ont bien raison d'en profiter. Tiens, ça revient.